Bonsoir, nous nous réunissons ce soir pour un moment de tristesse, mais aussi de mémoire pour notre ami Nordine Sadi qui nous a quittés cette semaine, qui a commis l'impardonnable faute de partir sans nous prévenir. Voilà, donc nous voulions, avec ses enfants, avec ses amis, un peu lui rendre hommage, parler de lui. Je donnerai la parole à quiconque veut dire un mot sur Nono. Je commencerai par donner la parole à Qais Saadi, son fils. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et toutes. Petit, plus grand, mais petit dans le cœur. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci beaucoup du fond du cœur, en mon nom, au nom de mes sœurs, de toute la famille, d'être là. En fait, je pense que c'est une des plus belles ambiances. C'est l'ambiance rêvée pour lui, c'est ce qu'il aimait en fait. Quand tout le monde était là, quand les gens se retrouvaient, je ne sais pas quoi vous dire. Il est parti si vite, très 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 vite. Pour vous dire, tout à l'heure, j'étais avec mes sœurs et mon cousin. On préparait un petit peu les lieux avec la CB pour accueillir tous les amis, pour la famille, pour vous accueillir. À un moment, quelqu'un est entré, je croyais que c'était mon père, qui allait me dire, donne-moi un petit bout de truc là, s'il te plaît, remplis-moi un verre. Il est parti si vite, ça a été fulgurant. Ces trois semaines ont été une des plus rapides que j'ai connues. Il a été extrêmement digne. Il suivait tout. Il suivait en fait l'évolution de sa maladie qui a été extrêmement rapide. Certains parmi vous l'ont peut-être même vu à Alger il y a moins d'un mois. Il était à la maison il y a 3 semaines à peine. Ça a été si vite. Il a lutté jusqu'au bout. On lui mettait de la musique. On lui faisait écouter Gelwabé. Il adorait. Gelwabé, surtout Amémol. Il adorait Amémol. Amar Zey, pour ceux qui... On lui a fait écouter aussi Fergani. Jusqu'à ses derniers moments, et même au-delà. Hein, continuer à lui parler, lui faire écouter de la musique avec mes sœurs. Merci du fond du cœur d'être venu. C'est la plus belle chose qui soit pour lui, je pense, je parle au nom de la famille. Merci vraiment à la CB. Nous sommes chez lui, en fait. Il parlait de la CB tout le temps. Ses copains de la CB, à la famille, il allait à la CB. Il était chez moi tous les dimanches. Il venait. Et puis, il était à la CB les autres jours de la semaine, j'ai l'impression. Il était là tout le temps. Il parlait de la CB. C'est le lieu où on devait se rencontrer tous. Et merci à la... La CB de nous réunir ici, c'est extrêmement important qu'on se réunisse ici, en ce lieu. Merci à vous, vraiment merci à vous, on est extrêmement tous touchés. Je parle au nom de ma famille, de vous savoir tous ici. Je vais arrêter de parler. Merci. Je vais donner la parole à Belkacem Tatem, qui est le président de la CB. Hein. C'est très vraiment très difficile, mais c'est vrai qu'on va, on va surtout pas oublier ce que nous a donné, ce que nous a apporté Nono. Il est venu à CB en 1994, il avait fui les ignorants qui voulaient tuer la culture en Algérie. Et il est venu ici, il a rencontré des hommes et des femmes de culture qui aimaient la vie, qui aimaient la culture, qui aimaient... Donc il était chez lui, comme l'a dit son fils, il était vraiment ici chez lui. Et voilà, il a été associé avec notre ami Aris Kimetrev, que vous connaissez très bien. Il a animé la CB Ouvre les guillemets. Il était toujours présent, c'était un homme qui savait écouter, qui savait observer, qui savait s'observer surtout lui. Je ne sais pas si parmi vous, beaucoup ont lu ses romans. Je vous conseille de les lire, comme ça il sera encore avec vous. Et vous verrez que... Il fouillait à l'intérieur de lui-même pour nous retrouver, nous,
vraiment, il parlait de nous en parlant de lui vraiment très profondément. Donc, je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps, dans le petit bureau là-haut, on parlait de son dernier roman, où il symbolisait aussi à travers cette femme l'Algérie, cette Algérie à qui on vole la jeunesse. Et voilà, donc il sera encore ici chez lui, on ne l'oubliera pas et il sera toujours avec nous. Je ne peux pas dire grand-chose de plus, on l'aimait et voilà, il disparaît. Alors, je vais donner la parole à Denis Martinez, ensuite Ben, et ensuite, qui veut prendre la parole, vient la prendre. Hein. Pas de... Oui, on a un message de Sadr Hajras. Oui. D'accord. Ils sont malades tous les deux. D'accord. Voilà, lui est à l'hôpital. Mmh. D'accord. Alors, c'est un message de Sadr Hajras dicté à partir de son lit d'hôpital lui-même. Hein. Regarde ce que tu veux lire, c'est mon écriture, regarde ça. Peut-être que ce serait mieux que tu le lises, c'est non? C'est comme tu veux. Bien. Vas-y. Non, non, pas du tout. C'est juste... Alors c'est Sadar qui a dicté ce message, il aurait voulu être là, lui-même est hospitalisé, et Ali qui l'a écrit, mais elle est fiévreuse, donc elle m'a redicté. Alors, je vais essayer de commencer, sinon je passe à quelqu'un d'autre. C'est avec une grande peine que je ne peux vous accompagner pour ce premier hommage à notre regretté Nono Sadé. Pour moi, depuis des décennies, Nono n'a pas été seulement un ami, sensible et ouvert. Il était surtout un de ces dizaines de cadres communistes émergés de l'Algérie indépendante qui, par leur dynamisme et leur intégrité morale, ont gagné au PACS et au mouvement social progressiste le respect et l'estime des jeunes d'abord, des travailleurs, des femmes et de la population. Pour ce militant et cadre de notre patrie indépendante, il fallait à la fois agir, réfléchir, rassembler, et créer sans cesse au cœur des sensibilités et des aspirations socio-culturelles. Nono Sadé a maintenu cette trajectoire avec fermeté et esprit créatif durant toute sa vie. Il a labouré et semé ce qui, au-delà de sa mort, constitue l'héritage le plus précieux pour les anciens qui restent et pour les jeunes qui viennent. L'image de son courage, de ses convictions, de principes et son rejet du sectarisme reste gravée symboliquement lorsque, pendant la préparation du congrès du PACS, lui et la majorité de ses camarades étudiants ont rejeté l'idée de leur candidature officielle au comité central du PACS. Ils ont exigé et obtenu le verdict démocratique des élections sans la cooptation par laquelle on voulait les séduire. Parmi des dizaines de souvenirs qui me restent de Nono, cet exemple que je viens de vous citer me paraît l'enseignement fondamental pour l'avenir. Ces créations intellectuelles et culturelles seront pour nous tous de grands thèmes humanistes de réflexion et d'inspiration. Bon voyage, camarades, nous veillons. Sadr. Merci. Denis, après cette intervention-là, je pense qu'on ne peut pas dire mieux. C'est-à-dire que dit des choses ce qu'il fallait dire en ce sens, non, non. Merci à Sadr pour tout ce qu'il a dit. Et bon, moi, Nono, c'est surtout un complice des moments sérieux et des moments où on pouvait rigoler un coup et passer des moments joyeux quelque part dans la nature. Alors, je sais qu'à partir des années, fin des années 70, on se voyait presque tous les fins de week-end dans les environs de Blida. On faisait le point du côté de Tamsguida, hein. Et c'était vrai qu'il y avait Youssef Tounsi qui était avec nous, etc. C'était des moments à la fois de plaisir et de compréhension de ce qui allait nous arriver aussi. Parce que bon, on parlait beaucoup, hein, de l'évolution des choses. Et ceci dit, à part ça,
c'est aussi un grand complice en ce qui concerne bon, la réflexion culturelle. Et je peux dire que grâce à lui, bon, le livre qu'il a écrit sur moi en 2003, avec beaucoup de patience, hein, parce qu'il m'a entrepris pendant 15 jours, au jour le jour, pour essayer de m'extirper les éléments de ma vie, etc. Et j'ai vu Nono, avec sa petite écriture, il a jamais enregistré les paroles, avec sa petite écriture au quotidien, capable de noter tout ce que j'étais en train de lui dire, et que je parlais n'importe comment, comme ça, rapide, etc. Et lui, comme ça, il arrivait à tout relever, et le lendemain, il revenait. Hier, tu as dit ça, maintenant, on va revenir là-dessus, etc. C'est un travail extraordinaire. Vraiment, et bon, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, et comme il a beaucoup aidé pas mal de gens, et comme il nous a aidé aussi pour nous éclairer sur le devenir politique du pays, etc., etc., il y a plein de choses à dire sur ces différentes connivences, et on avait des projets, là. J'avais un projet avec lui, là, bon, qui était en cours. Quand je l'ai appelé, là, à mon retour d'Alger, là, après le Salon du Livre, il m'a dit qu'il allait entamer une chimio, mais je pensais que c'était pas tout de suite, hein, ça n'allait pas tout de suite, arriver tout de suite. Et je l'appelle le lendemain de mon arrivée, c'était un matin, il était à l'hôpital. Le portable sonne, et puis à un moment donné, j'entends que ça se décroche, mais il y a des difficultés. Je sens qu'il y a des difficultés de l'autre côté de l'appareil. Et puis, après, j'entends une voix. Oh là là, c'était plus sa voix. Il m'a dit, excuse-moi, appelle-moi dans une semaine. Et puis voilà. C'était fini après. Le lendemain, le soir même, il l'a emmené en soins intensifs, etc. J'étais à pied, mais ça dit, voilà. Je ne peux pas dire plus, je crois que tout. C'est très difficile. Très difficile. Allez, merci. En tous les cas. Merci de venir. Ben Mohamed. Je m'excuse, mais. Bon, ce n'était pas prévu que j'intervienne, je ne savais pas, mais. C'est quelqu'un dont j'ai du mal à imaginer qu'il est parti. C'est pas possible. Et j'avoue que je m'en veux beaucoup pour un détail tout simple. Harsky a présenté son fort. J'ai remarqué que Nono n'était pas là. Et je m'étais pas inquiété, je m'étais dit, bon, peut-être qu'il est en déplacement quelque part, comme d'habitude, d'aller donner une conférence, tout ça. Mais j'étais à 10 000 lieues d'imaginer qu'il était à l'hôpital, je ne savais pas. Et aujourd'hui, je m'en veux de ne pas avoir posé la question à Arsène. D'ailleurs, je lui ai dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Il m'a dit, tu ne m'as pas posé la question, effectivement. Voilà. Mais Nono, c'est... je ne sais pas, pour moi c'est cette race d'intellectuels dont l'Algérie a grandement besoin aujourd'hui. Ils n'avaient pas le droit de partir, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin des gens comme ça. Mais bon, voilà, je m'excuse. Merci beaucoup. Non, je remercie l'ACB d'avoir permis à Nono de résister à Paris. Ça, c'est terrible. Allez, Cherki. Il faut bien qu'il y ait une femme qui vienne, parce que Nono... Bah oui, et quelle femme. Écoutez, j'ai beaucoup de peine, effectivement, comme vous tous, mais j'avais envie d'évoquer Nono, aussi quand il était discret avec la perte de ses amis comme Nabil Fares et Malek Alula,
dont il se remettait difficilement. Mais comme il était discret, en même temps, malgré tout son désir d'être avec les autres, il était quand même très pudique, aussi bien sur son corps que sur ses pertes. Et il voulait toujours aller de l'avant. Alors moi, je vais évoquer Nono depuis cette longue amitié, je dirais même cette complicité entre nous depuis plus de 30 ans. Et je me souviens, y compris des enfants que j'ai vus grandir, des enfants de Nono que j'ai vus grandir à travers les années. Et Nono, c'était mon fils qui l'a très bien connu, m'envoyait un petit mot en me disant « Oh là là, encore un de ces Algériens que j'aime, qui sont créatifs, progressistes, inventifs et qui ne font aucune différence entre ses amis. » Et puis Nono, quand il s'est pris, voilà, je vais vous raconter une anecdote. Nono était en vacances chez moi dans la maison du Sud il y a plusieurs, en 94, 80, et puis il voulait rentrer dans son pays, et il disait je rentre, c'est chez moi. J'étais en août. Et début septembre, j'ai un coup de fil du port de Marseille. C'était Nono qui avait débarqué avec toute sa famille, qui avait pris le bateau dans la nuit pour éviter de se faire assassiner. Et voilà, et depuis, effectivement, nous ne sommes plus quittés. Je voudrais dire aussi que Nono était, et il aimait beaucoup ça. Il aimait beaucoup écrire, discrètement, tranquillement. Vous avez dit avec sa petite écriture, comme ça, il aimait vraiment pas les machines. Hein. Franchement, il aimait pas les machines. Ce que je partageais d'ailleurs, mais il s'est retrouvé avec, il tenait beaucoup à tout, à l'écriture de ses romans, et moi je l'ai vu écrivant, puisqu'on était, on était voisins, donc on se retrouvait à l'entrecôte, là, en bas de la rue de la Roquette, on se téléphonait, on disait, on va déjeuner. Alors il me disait de temps en temps, ah le vendredi ça m'ennuie, parce que le vendredi je déjeune avec les gens de la CB. C'est vrai, hein ? Voilà. Mais de temps en temps, il faisait une exception, il vous trahissait pour moi. Et j'ai vu combien ce dernier livre lui tenait à cœur. Ce dernier livre lui tenait à cœur, ça faisait un bout de temps qu'il était en gestation, en écriture. Je pense qu'il a fini de l'écrire chez vous, les barrières, en Turquie. Il avait à plusieurs reprises, c'est ce qu'il m'avait dit en tous les cas. Et on s'est vu très peu de temps, trois semaines, on s'est vu dans ce fameux petit bistrot, et il m'a offert son livre. Et je suis rentrée chez moi le soir, moi je ne regarde pas les dédicaces qu'on me fait devant la personne qui l'a fait. Et j'ai vu qu'il disait le mot mort trois fois dans cette dédicace. Alors qu'on venait de parler justement de ces incidents de travail, mais à aucun moment nous n'avons pensé, l'un et l'autre, que ça s'accélérerait à ce point et qu'il disparaîtrait si vite. Voilà. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, je voudrais embrasser vraiment les enfants et les petits-enfants que j'aime. Oui. Doucement, avec ça c'est bon. Non mais avec celui-là c'est bon. Avec celui-là. Ouais. D'accord. Pas de souci. Parfait. Merci Elske, merci à la CB, merci à tout le monde. Et puis moi c'est d'abord deux petites. Enfin, j'arrive pas à réaliser parce que peut-être je voyais pas Nono très régulièrement malgré la force de l'affection que j'avais pour lui, et donc je réalise pas, et surtout il y a cette blessure, cette profonde blessure, parce qu'il reste un regret. Nous étions ensemble au salon du livre à Alger, aussi là on a passé un long moment à discuter au stand de Barzar tous les deux, comme ça, Constantine, Alger, les souvenirs, l'avenir et tout.
Et puis le lendemain, on se retrouve dans un endroit que beaucoup d'entre vous connaissent, là, chez Zidi, à Alger, avec Omar et Nouria Larjan, avec Yazid Khodja et tout. Passer une soirée avec Karima Lazali, avec une soirée magnifique, et au terme de laquelle Omar me dit, mais attention, il faut, quand tu rentres à Paris, il ne faut pas oublier Nono parce qu'il est malade. Et je passe quelques jours à Constantine, puis je reviens, je l'appelle dans l'espoir de l'emmener manger un plat constantinois dans le quartier. Ici, il y a un restaurant qui fait un bon chouchoura constantinois. Je me suis dit, je vais l'emmener là-bas. Il ne répond pas et puis il m'envoie un petit message, merci de t'inquiéter. Je me suis dit, bon, je vais remettre ça à plus tard. Et plus tard, il n'y a pas eu de plus tard. Et c'est terrible. Je m'en veux un peu de ne pas avoir raccourci cette période. Et je me souviens, il m'avait fait l'honneur et l'amitié de me considérer comme quelqu'un qui connaît un petit peu le chant musical, notamment le chant musical traditionnel. Quand il écrivait son livre sur Huria Aishi, il m'avait fait un entretien. J'ai passé l'un de mes moments d'amitié les plus forts. On est resté ensemble de 11h du matin jusqu'à 7h du soir. Et il m'a laissé une phrase terrible que j'ai retrouvée ensuite dans son dernier livre. Il m'a dit en écrit, pour dire aux ombres ce qu'on n'arrive pas à se dire à soi-même. Et c'est en toutes lettres, dans son dernier livre. Alors pour terminer, je sais que c'était un artiste qui avait une très grande sensibilité malgré tout. Moi, les qualités que je retiens de Nono, c'est deux choses fortes, très fortes. Une intelligence vive, très très vive intelligence, et puis une franchise. C'est quelqu'un qui était d'une franchise, il n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. Ça, c'est rare et c'est méritoire. Et donc, pour sa sensibilité, je voudrais dire deux textes, si vous le permettez, deux poèmes. Un poème en arabe dialectal, d'un poète de Msila, sur son lit de maladie, il savait que c'était ses derniers jours. Donc, il a laissé ce texte. Je vais vous le dire et puis ensuite je vous lirai un poème en français de Blanquier, de Louis Blanquier, en hommage à Jean-Claude Izzo. Le texte de Ben Zawali dit « Laqat rouhi wal marad tal aliya, smatat l'ahwal matyab li walu, natfakkar l'awqat dirgu ayniya, ou kada al l'ahbab anni ma salu, ya hasraha alik ya dar al dunya, ou gharrara birjalha anha galu. » بكري كنت صحيح تتولع بيا يا ويحلي طاح ورشه تحبالو احبس بيا عود في ذل مطنيه وغيم عني غيم كدر تخبالو وين احبابي وين من هو ليا وما كانش من قالها هو برجالو يا الاحباب علاش فرطتو فيا ما شفتوش حبيبكم واش صرالو راني في حاله صعيبه دنيا وخايف من الايام عني يطوالو نتوحش الاحباب هذا ما بيا ويدرى درك نساو والله مازالو نلوم ونقول والحق معايا ولا نطمع في حد يعطيني ماله شاهي وجه اللي نعزه في الدنيا كما وجه الأحباب هم ومثاله. Pour finir, un poème de Louis Braquier, hommage à Jean-Claude Izzo, mais je crois qu'on peut le dédier à Nono aussi. Mes amis rassemblés, qu'un même amour dépasse, c'est pour vous que je pars. Je vous offre déjà l'ardeur de mon absence qui sera votre part. Mangez ces fruits amers dont la pulpe est saignante et buvez du vin blanc. Que je sois près de vous dans vos soirées brûlantes sur le port innocent. Lorsque mon souvenir viendra dans vos paroles, faites-lui bon accueil. Vous resterez toujours dans la dernière escale, au plus sûr de mon cœur. Si quelqu'un ne sait pas mon nom, ne le lui dites, gardez-le tendrement. S'il vous presse, quel est cet ami qui navigue? C'est un homme vivant. C'est un homme vivant qui part et se déchire, comme un ciel sur les mâts. L'homme le plus tenté par l'amour des navires et la forme du monde.
Merci, Raphaël. Mourad. Mourad Yeles. Après, les gens qui ont envie de dire quelque chose, ils viennent. Hein. C'est pas de. Alors moi, plutôt que de balbutier ou de dire des bêtises, j'ai préféré... Oui, pardon, excuse-moi, du coup, donne-moi mon sac, je suis trompé de texte. J'ai préféré donc rédiger quelque chose, j'espère que ça ne devrait pas être long. J'ai pris le prospectus au lieu de prendre des textes. Cher Nono, la vérité est semblable à un miroir brisé qui peut prétendre à lui seul en reconstituer tous les morceaux dispersés. C'est par cette belle métaphore que tu places dans la bouche de ton héros éponyme, Rabah, au tout début de la Maison de Lumière, que je voudrais débuter un hommage qui se veut d'abord et avant tout amical. En fait, l'expression convenue en pareille circonstance d'hommage funèbre a failli se glisser sur mon clavier. J'ai alors pris le temps de consulter le dictionnaire, non sans un sourire de connivence au souvenir de ta passion immodérée pour les dictionnaires. Et à l'entrée funèbre figurait cette définition qui inspire des idées de tristesse et de mort. J'ai été pris d'un brusque accès d'indignation. Comment t'associer, toi qui étais la vie même, à de si sombres idées? Comment évoquer ton absence, toi qui étais l'image même du passeur solaire, en me référant à un paysage de désolation? Alors, si ce soir je déplore ta perte, au sens étymologique du dictionnaire, c'est pour mieux célébrer ta lumineuse présence, celle qui demeurera après toi, celle que je retiendrai de toi par-delà la tombe. Ce miroir brisé où je te retrouve à présent, il me renvoie d'abord ton sourire, tes yeux qui se plissent avec malice quand tu évoques une anecdote amusante ou que tu sèmes, comme en passant, un de ces bons mots dont tu as le secret et qui restent dans les mémoires. C'est aussi ta silhouette dansante et ta démarche chaloupée quand, à l'occasion de telle manifestation ou telle retrouvaille, tu sembles presque naviguer de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, avec une sorte de grâce quelque peu féline, un charme enjoué de gamin à l'école buissonnière. C'est encore ta voix que j'entends avec son timbre chantant, ses cadences si particulières, ses pauses réflexives qui ponctuent ta parole et que tu sais si bien placer. Le souffle calme et grave qui anime ton verbe éloquent dans les grandes circonstances. Car dans le kaléidoscope des morceaux épars, des souvenirs de toi qui défilent dans ma tête, il y a bien entendu le nono des jours de fête, des moments heureux où avec les amis et camarades, on se dit que tout est encore possible, que les puissances de la vie et de l'espoir finiront par avoir le dessus sur celles de la mort et du malheur. C'est le nono qui rit et plaisante, qui danse et nous enchante. C'est le nono des moments de connivence et de partage autour d'un projet, d'un poème, d'un tableau ou d'une chanson. Le nono qui sait toujours trouver l'expression juste, la synthèse saisissante, la parabole généreuse et éclairante. Car s'il est une qualité parmi celles qui te caractérisent, parfois jusqu'à l'outrance, c'est bien la générosité. Mais je ne veux pas ici sombrer dans le panégyrique, car je te vois déjà me bousculer gentiment. Et comment ne pas parler aussi de cette gentillesse, de cette délicatesse essentielle qui était les tiennes. Me bousculer avec cette moue et ce haussement d'épaule que tu avais quand le propos te semblait excessif ou pire, insignifiant. Je veux également évoquer, parce que c'est non moins important, le nono des jours sombres, des heures d'angoisse et d'abattement, comme cette veille d'élection, ce moment décisif où se joue d'une certaine manière l'avenir immédiat, quand la nuit tombe sur la pointe Pescade, dans cette maison de lumière que tu t'acharnes à réhabiliter et qui deviendra l'héroïne de ton futur roman. Nous sommes réunis dans l'attente de ce qui apparaît déjà comme l'inéluctable tempête, celle qui risque de nous emporter. Et tes mots résonnent déjà comme autant de prophéties. Je revois aussi ces meetings et ces marches à travers la ville qui bouillonnent dans une atmosphère étrange faite d'un mélange d'appréhension, d'exaltation et de détermination. Je repense à cette journée, quelques semaines après octobre 88, dans un amphithéâtre à la faculté centrale, où nous nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages bouleversants des victimes de la torture, et où l'air devient très vite irrespirable, comme saturé de violence et d'horreur. Ils ont osé commettre l'innommable. Mais justement, la terreur ne doit pas avoir le dernier mot. Il faut maudire la torture. C'est d'ailleurs l'intitulé de cette journée organisée par le Comité national contre la torture dont tu es membre. Et je vois bien comment, pour toi qui as commencé très jeune l'engagement dans les combats démocratiques de ton pays, mais dont je connais de longue date les nombreuses passions artistiques, à commencer par celle de la littérature, se pose aussi, jusque dans l'horreur, la question du rapport entre l'art et le politique.
C'est précisément ce morceau de toi, ce versant de ta personnalité, de ta sensibilité que tu as mis si longtemps à nous révéler, sur lequel je voudrais m'attarder quelque peu. Car tu étais profondément, naturellement, viscéralement un écrivain. À ce propos, tu t'es expliqué à plusieurs reprises sur les raisons pour lesquelles, comme nombre d'entre nous, tu n'avais pas pu ou voulu affronter l'épreuve de l'écriture jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la publication, et surtout jusqu'à l'acceptation d'un statut que les conditions politiques de l'Algérie post-indépendance avaient durablement exclu de l'horizon idéologique de certaines générations d'intellectuels militants ou simplement engagés, pour user du lexique de l'époque. Pour le dire autrement, l'urgence était alors dans la lutte et non dans ce qui pouvait alors passer pour une sorte de complaisance narcissique, une coupable tentation esthétique petite bourgeoise. Et pourtant, tu as toujours écrit. Et si tes publications universitaires dans le domaine qui était le tien, à savoir le droit, se singularisent déjà par un style d'une remarquable clarté, d'une élégance presque classique, nous savons, parce que tu as eu l'occasion de t'exprimer à ce sujet, que tu as toujours eu avec l'écriture une très longue et très intense relation amoureuse. Pour être clair, tu aimais les mots à la folie. Non pas simplement pour leur résonance poétique, pour ce qu'ils peuvent signifier, mais surtout pour ce qu'ils traduisent de nos imaginaires, tant sur le plan individuel que collectif. Dans un catalogue daté de mars 1987, coordonné par toi et consacré à une exposition de notre ami commun Alice Ilem, en hommage à Nejma et à Kateb Yassine, je retrouve ces lignes qui sont de toi. Nejma, astre impossible à piller dans sa fulgurante lumière. C'est un vers de Kateb. Déclamé fragment du verbe, surgit trait de langue en langue, vibre couleur, celle du peintre traduise la main qui trace, irréductible transmission, l'artiste regarde en passeur de lumière. Il se fait intercesseur. Tout est dit et splendidement dit. À travers le regard du peintre et les mots du poète, c'est aussi Nono qui se révèle en passeur de lumière. L'aventure littéraire de Nono reste largement à écrire et son œuvre à analyser. Ce sera la tâche de ceux et celles dont c'est le métier ou la vocation. Ici, là-bas et ailleurs, de par le vaste monde des spécialistes. Mais je terminerai ce modeste et amical témoignage en évoquant l'écho des textes de toi, ici et là-bas. La réception, pour jargonner comme les universitaires, de ton travail chez les lecteurs, ces amoureux des mots. Dans une courte interview avec Faraz Farhat, il y a quelques semaines à peine, où je t'avais rencontré, lors du SILA, tu expliquais « Je ne suis pas un auteur à succès. Je crois plutôt que je suis un auteur constant, qui a son public. J'en tire une grande satisfaction. Mon public est algérien et étranger à la fois. Ces deux publics sont différents, car ils ne lisent pas de la même manière. Ils n'ont pas le même imaginaire. À chacun son histoire, son vécu. Mais une chose est sûre, ils ont une sensibilité partagée. On reconnaît bien chez toi l'expression de cette pudeur quand elle se cache sous les atours de la lucidité. Mais on perçoit aussi et surtout ce souci constant du partage, qu'il s'agisse de convictions politiques, d'affinités intellectuelles, de ferveur artistique, Nono savait trouver le chemin qui mène d'un homme à un autre, qui fait se rencontrer, se reconnaître en toute humanité deux étrangers, par-delà les frontières, les préjugés et les dénis. À cet égard, lui qui s'était exilé sur le tard de sa vie, savait ce que cette expérience douloureuse et cruciale à la fois pouvait comporter comme promesse d'ouverture et d'échange, comme remise en question et, pourquoi pas, comme illumination. C'est une métaphore d'ailleurs qui figure dans le catalogue que j'évoquais tout à l'heure, qui était de Nono. Voilà, c'est fini. Pour toi, cher Nono, l'heure fatidique a sonné. Dieu le fit. L'octobre, sans doute. La Camarde était-elle une vieille compagne? Tes lecteurs, tes lectrices avaient déjà remarqué qu'il y a toujours un cimetière, une dalle funéraire, une tombe quelque part au fil de tes textes. Dans la Maison de Lumière, au moment de quitter pour toujours Miramar et l'Algérie, ton héros prononce cette sentence redoutable. Ce sont les tombes qui écrivent l'histoire. De fait, pour ceux et celles de ma génération, je pense que ta disparition sur ce boulevard de l'abîme par lequel s'est brutalement achevé ton chemin d'écriture et que tu nous as laissé en ultime partage est bien de celle qui marque symboliquement la fin d'une époque. Mais je veux croire également que malgré le chagrin de la perte, tes proches, tes amis, tes camarades qui t'accompagnent ce soir dans cette dernière traversée puiseront aussi dans ton parcours et dans ton œuvre des forces nouvelles pour continuer ton combat et prolonger les utopies que tu as si bien su défendre et illustrer. Pour ma part, à travers ce modeste hommage, je souhaitais simplement te redire mon respect et ma tendresse. Je voulais te saluer une dernière fois et célébrer ta mémoire, celle de l'intellectuel, du militant, de l'écrivain qui a marqué l'histoire de son pays, celle enfin de l'ami dont la présence demeurera par-delà l'absence.
Merci Mourad. Je vais donner la parole à Mohamed Harbi. Tu peux t'asseoir, Mohamed, tu peux rester assis. J'appartiens à une génération qui a plus d'une décennie d'avance sur Nordin Saadi. Et donc, je suis arrivé tard dans sa vie. Je l'ai connu essentiellement dans l'exil. J'ai connu d'abord chez des amis, des hommes de lettres, des artistes. J'ai connu le convive. Et donc j'ai connu Nordin Saadi comme intellectuel, militant, mais intellectuel d'abord. Ou du moins, la part d'intellectuel qu'il a récupérée à partir du moment où il n'était plus sur la scène politique comme un élément déterminant. J'ai admiré en lui le témoin discret. Discret parce que son itinéraire a été celui d'un militant qui a agi, mais aussi qui a subi beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de choses, et qui n'a pas toujours apprécié. Je voulais consacrer en lui le témoin. Et il m'a promis de témoigner. Et la dernière fois que j'ai eu à parler avec lui, de son témoignage, c'était un moment où il partait pour la Turquie. Et je devais élaborer un questionnaire à lui soumettre. Et ce questionnaire tournait autour d'un certain nombre de questions. Comme c'est un homme de culture, je voulais débattre avec lui au fond sur le thème suivant, comment changer la culture pour changer la politique. Et comment mettre au centre de la réflexion la visée émancipatrice qui a existé en Algérie assez fort, mais qui a été réellement écrasée au cours même de la Révolution chez la majorité des intellectuels. Je dis Révolution, en fait, j'aurais dû dire guerre de libération, et non pas révolution. Comment mettre donc au premier plan cette pensée émancipatrice. Comment rétablir la traite du citoyen que la classe nouvelle doit aux Algériens? Comment faire en sorte qu'aux citoyens enthousiastes et passifs que voulait former ce régime naisse un homme libre, libre des chaînes qu'on lui a forgées, alors que lui estimait qu'il avait été là pour briser ses chaînes. Merci. Merci Mohamed. Alors, d'autres témoignages. Hamid, Salah. Non, je voudrais dire deux choses. Il y a des choses très belles qui ont été dites sur Nono. Il y a deux choses que je voudrais ajouter. Nono, c'était un maghrébin aussi, et pas seulement un algérien. Et Nono, c'est un des seuls hommes de sa génération qui était vraiment féministe. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier.
Quand nous avions préparé la conférence de Pékin en 1995 pour le collectif Maghreb Égalité, Nono était un des seuls hommes maghrébins qui a participé aux travaux du collectif Maghreb Égalité pour Pékin. Et on avait fait partie d'un groupe de travail ensemble pour un institut de recherche espagnol il y a quelques années, la CASAR, avec Mohamed Koné. Nous avions travaillé ensemble. Et donc, tout ce qui vient d'être dit caractérise très bien Nono, mais je voudrais rappeler qu'il est un féministe et un maghrébin. Merci. C'est juste pour dire un mot. C'est juste pour dire un mot parce que ça m'a indignée. J'ai suivi la presse, El Watan et Liberté, pour ne citer que ces journaux-là. J'ai été scandalisée de lire que Nono a travaillé, a bien sûr enseigné, il a été syndicaliste, et qu'après, il est parti en France, s'installer en France, point barre. Je trouve que j'en appelle aux véritables journalistes, j'en appelle aux artistes, j'en appelle à vous pour résister contre la censure qui souhaite faire oublier 10 ans de guerre civile. Nono et nous n'avons pas fait le choix de partir, on nous a fait partir. Voilà. Alors, d'autres témoignages, Souad. Moi, je suis la Benjamine, alors je ne sais pas comment je rentre dans ce... Mais je rejoins tout à fait ce qu'a dit Sophie. Et je tenais à le souligner, parce que c'est vrai. Moi, je suis, c'est vrai, la Benjamine à la CB, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Nono, parce que c'est vrai. C'est l'un des seuls hommes algériens que j'ai rencontré dans l'Algérie post-indépendante qui est réellement féministe, qui a été réellement un féministe. Hein, il a écrit un livre, Les femmes et la loi. Il a été au Maghreb Égalité. Et je sais que quand on était ensemble, quand la CB ouvrait les guillemets, il était toujours là chaque 8 mars. Il n'a jamais été absent au 8 mars que nous organisions à la CB. J'ai eu le plaisir de présenter avec lui le livre autour de Huriya Aïchi, donc c'était encore une figure féminine. Et puis, Benjamin, moi je connaissais Nono, professeur d'histoire, je connaissais Nono à travers ses écrits, etc. Et puis, pour moi, c'était l'intellectuel, je le voyais très grand, vous savez, immense, géant. Pour moi, c'était un géant, Nono. Et je me sentais si petite. Et jamais Nordin Saadi n'a eu du dédain ou n'a eu de la hauteur en pensant que les autres n'étaient rien. Il avait un respect, une humilité, et c'est en ça que je l'admirais. Parce que pour lui, il n'y avait pas de petites militantes ou de petits militants, de grands militants ou de petits militants. À partir du moment où on était dans l'engagement pour lui, nous étions tous à travailler sur ce que nous voulions, la création d'une véritable démocratie en Algérie. Nous parlions souvent de laïcité, puisque c'est aussi à travers le colloque au Sénat sur la laïcité où il a dit, quand j'ai pris la parole, « Ah, enfin une voix de femme !» Et c'est tout ça, Nono, c'était... Vous l'avez dit dans votre texte, « Passeur de lumière », moi, Nono, c'est une étoile qui est quelque part là. Parce que quand on venait à la CB et qu'il y avait cet « ouvrez les guillemets », j'adorais ce chahut d'ancien étudiant qui se passait sur cette estrade. Et on avait plaisir à écouter, à l'entendre et à voir cette lumière, comme vous l'avez dit, dans ses yeux. Nono, c'est un homme admirable et on ne peut pas l'oublier. Et pour moi, il ne s'en est pas allé, il est là. Nous avons la béance, nous allons avoir la béance de son absence, mais je sais qu'il y aura toujours sa présence dans nos cœurs et dans nos mémoires. Et il y a Alain Sexy qui m'a envoyé un message quand il a appris le décès de Nono, et je voudrais le lire. Ouh, c'est toujours quand on cherche...
les messages qu'on ne retrouve pas. Voilà. Parce que j'ai envoyé le message à Alain Sexic, comme à tous les amis de la CB, quand il fallait relayer cette malheureuse information. Et donc Alain Sexic, qui est aussi un ami de la CB, me répond. Ma chère Soared, la nouvelle du décès de Noureddine Saadé m'attriste profondément. J'ai eu récemment l'occasion de lire ce qui restera sans doute comme son dernier texte à paraître en janvier dans un livre collectif sur l'école en Algérie, des années 1930 à l'indépendance, et dont j'ai rédigé la postface. Le texte de Noureddine est consacré à sa première institutrice de l'école Voltaire à Constantine. Elle s'appelait Madame Giovacchini, et dans son langage d'enfant, il l'a nommée Madame Gébacchini. Il raconte avoir eu l'occasion de correspondre à nouveau avec elle un demi-siècle plus tard, en 2006, alors qu'elle vivait retirée à Bastia. Son fils avait lu le roman quasi autobiographique de Noureddine, La maison de lumière, dans lequel il avait reconnu le portrait de sa mère, l'ancienne institutrice. Son récit est particulièrement touchant, et si j'avais pu être des vôtres, je l'aurais lu. Malheureusement, je serai loin de Paris. Je penserai à vous tout comme je pense à lui. Je t'embrasse et te demande de transmettre aux amis de l'ACB et à sa famille mes très affectueuses pensées. Alain. Merci. Je ne vois pas Habib Tengour. Madame Barret. Habib ? Oui, oui, bien sûr, Madame Barret. Mais venez, Madame Barret, venez. C'est la galère, ce soir. Souffrance. Je remercie les enfants de Noureddine qui m'ont permis de pouvoir être ici et d'entendre tout ce que vous dites. J'ai connu Nono comme ça, parmi des amis, chez des amis, de temps en temps. Bon, et puis on s'est parlé pendant des dizaines d'années. J'ai reconnu Noureddine dans une nouvelle rencontre magnifique depuis quelques années, et c'est à lui que je parle, mais j'ai tellement de choses à lui dire que je l'ai écrit. Alors je vais vous lire ce que je lui dis. Noureddine, tu m'as éloigné de l'hôpital pendant ton combat contre le crabe. En peu de mots téléphoniques, nous partagions angoisse et espoir. Il y a quelques jours, tu as bien voulu que je vienne te retrouver. Le cœur bouraillé, j'ai alors vu, au-delà de ton regard, que l'ennemi t'avait déjà terrassé. Tu m'as présenté tes enfants. Silhouette bleue, translucide, il t'entourait d'une danse silencieuse. Tu m'as dit, ce sont mes anges gardiens. Vous trois, Feriel, Sarah, Caïs, vous l'avez accompagné malgré la tristesse, avec douceur, tendresse, aimance attentionnée, tout au long du chemin jusqu'à son dernier sommeil. Merci, je crois que vous avez représenté auprès de lui tout ce qu'il aime. Noureddine, ton nom de lumière, soleil de mes jours, astre de mes nuits, aujourd'hui je pense à toi comme à une étoile noire, éteinte, accrochée au plus haut de la voûte céleste, si loin que son rayonnement nous parviendra encore pendant longtemps. Il nous réchauffe, nous illumine, il scintille pour nous en éclats de ton esprit brillant et facétieux, en ombre des doutes et des angoisses de ton âme tourmentée. Merci à vous tous. Merci, monsieur. Merci. Habib, est-ce qu'il est là, Habib Tengour? Thank you.
Je vous prie de m'excuser parce que Kimagali, il n'y a rien à dire. Normalement, l'éveillé, chez nous, c'est pas encore le discours. Une veillée, Rahmazel Mahana, il est avec nous, on discute de lui, on l'accompagne. Bon, il y a eu des discours qui étaient très bien faits. Mohamed a bien dit, nous perdons un des rares, mais vraiment, pour moi, c'est toute une époque qui disparaissait. On devait travailler d'ailleurs à ça. Il devait venir à Berlin pour qu'on écrive et on fasse toute une... Disons, c'était ça son projet. C'est l'Algérie des années 60 à aujourd'hui et de discuter sur la culture, la littérature. Et il voulait le faire. Il m'a dit, bon, on est deux, ça aurait été deux écrivains qui discutent. J'ai trouvé que le projet était intéressant pour notre littérature. On n'a pas ça. On n'a pas encore eu ça. Et bon, chaque fois il disait, oui, je viens. Puis il n'est pas venu. Puis Melek est mort à Berlin. Moi, je comptais l'accueillir à Berlin. Il n'est pas venu. Il est mort à Paris. Nabil est mort avant. On avait l'habitude, fin décembre, de déjeuner avec Nabil ensemble. On faisait le repas de fin d'année. Après, Nabil est parti. On s'est retrouvés l'an dernier tout seul. Et cette année, ben, Allah yarhamou. Merci. Nono, il n'y a même pas un mois, j'étais là pour la présentation de son dernier bouquin et je n'avais aucune idée de sa maladie, je n'étais pas au courant. Donc pour moi qui ai partagé avec lui tant de luttes, notamment au SNESUP, où on s'est beaucoup bagarré à l'université, et c'est mon camarade aussi, et c'est mon pote, on est Constantinois tous les deux, et on a cette ville au cœur. Et comme lui, on a été marqué par nos années d'école. Moi aussi, j'ai des enseignants qui m'ont marqué, avec lesquels je corresponds jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aimerais que les enfants d'aujourd'hui, d'Algérie, ils aient eu ce qu'on a eu, nous, et rien du tout. Donc aujourd'hui, quand j'entends Habib ou d'autres dire « il faut écrire ». Il faut véritablement écrire pour toute cette jeunesse algérienne qui est en train d'être dilapidée, d'être sacrifiée par l'ignorance crasse, etc. Donc on a une responsabilité, il faut au moins qu'on leur raconte ce qu'a été notre Algérie. Aujourd'hui, on ne la reconnaît pas, mais peut-être que ça va servir à quelque chose. Et je pense que Nono, lui, c'est un écrivain, il a cette belle plume et tout ça, mais chacun de nous, avons vécu quelque chose de très très fort, et je pense qu'il va falloir le dire, voilà. Au revoir, Nono, Roya, à bientôt. Bien, bon, beaucoup de choses ont été dites sur Nono, bien sûr. Alors là, je voulais préciser, parce que en tant que président des Amis de l'Oranie, qui nous a rejoints, bien sûr, et je me rappelle toujours, un jour, il dit, bon, je voulais créer une association qui sera les amis de l'Oranie, mais c'était trop lourd, donc je viens avec vous. Donc c'était pas un membre, c'était un ami, et ça sera toujours un ami, bien sûr. Et comment je peux définir Nono? Pour moi, c'est comme un palmier.
C'est-à-dire que quand on est avec lui, il y a une fraîcheur, hein, même quand il fait très chaud, il y a une fraîcheur qui dégage. Ses mots sont sucrés comme les dattes. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et donc on avait pas mal de projets. Malheureusement, bon, pour nous, il ne nous a pas quittés, toujours avec nous. Mais enfin, physiquement, il n'est pas, mais il est toujours avec nous. Voilà, je peux pas dire plus. On l'a aimé et on l'aimera toujours. Voilà, merci beaucoup. Merci. Raïda. Oui, bonsoir tout le monde. Bah, écoutez, je parle avec beaucoup d'émotion parce que j'ai été la compagne de Nono pendant des années. Et je ne remercierai jamais assez Feriel, Païs et Sarah de m'avoir permis, comme lui me l'a permis d'ailleurs, de l'accompagner dans ces moments, dans tous ces derniers moments, durant ces 3 semaines. Notre Nono était un être lumineux, merveilleux, humain. Et je n'ai plus de mots, je n'ai pas de mots pour décrire aujourd'hui la perte qu'il représente. Je n'ai plus, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire. Il m'a appelé le 21, je l'ai accompagné le 21 novembre pour son rendez-vous où on lui a annoncé ses, non pas son cancer, mais la gravité de la situation. Et ça a été terrible, terrible pour lui, il tremblait comme une feuille, le pauvre. Et il avait, et tout ça avec une dignité extraordinaire. Je n'oublierai jamais cette dignité. Je n'oublierai jamais l'amour qu'il a donné à tout le monde, autant à ses enfants qu'aux autres personnes ici présentes et aux autres. C'était un humain. C'était quelqu'un de généreux. C'était quelqu'un de merveilleux. Je remercie Sarah donc encore. Feriel et Kaïs de m'avoir permis d'assister à sa dernière minute. Merci. Voilà. Merci. Je donne la parole à Houri Aïchi. Je vais essayer de m'en passer. D'accord. Moi, je ne trouverai pas les mots pour parler de Nouruddin Saadi, qui m'a accompagné. Je te mets le micro parce que pour qu'il puisse entendre là-haut. Ah oui. Qui m'a accompagné de longues années. Nous nous sommes connus à Constantine quand j'étais lycéenne. Ce que je vais faire pour rendre Nono présent à nous tous, c'est que je vais chanter un istikhbar de Constantine. Je ne sais pas chanter le malouf, je ne sais pas chanter les istikhbar, mais je vais faire un effort et je vais chanter un morceau qui s'appelle Nijma et que Nouruddin aimait profondément. نجمة يا نجمة ما بقى لك الصواب في اللوم علي نجمة يا نجمة ما بقى لك الصواب في اللوم علي نجمة يا نجمة ما بقى لك الصواب في اللوم علي راني غديت قداك في
في الشنايع والباطل. تبقاي بالخير يا المتهومة بي. هذا آخر ودعنا والوعدك ما Merci Faria. Toufiq Alal, pour dire un mot. Je l'ai connu lors d'une une conférence autour de son livre La loi et la femme, qui a été organisée par dans un lycée où travaillait ma femme. C'était là pour la première fois que je voyais, j'entendais des informations concernant le pays. Et là, je voyais dans l'exposé, dans les échanges, la centralité, effectivement, la question de l'égalité homme-femme. C'était ça, et longtemps après, quand on a essayé de faire une association ensemble, il m'a dit que c'est ce cœur-là, parce que ce thème-là a changé de lieu géographique. Dans nos pays, c'est devenu une question, pas seulement de droit, mais une question stratégique politique. Et ça m'a frappé ce changement-là de perspective, que la question égalité homme-femme n'était pas uniquement un additif d'une politique autre, mais qu'elle était centrale. C'est cette centralité et tous les événements qui se sont déroulés dans leur tragédie, leur drame, dans notre pays, il m'a aidé à lire ces enjeux-là en fonction de ce problème. Et c'est avec ma femme, Brigitte, on s'est échangé, où on a dit qu'une saine politique où disparaît la question de l'égalité homme-femme, elle est vouée à la violence. L'absence de la question des femmes entraîne la tragédie. Voilà, je voudrais être témoin de ça. Évidemment, un deuxième point, pardonnez-moi. Malgré son expérience, je me rappelle, d'une organisation pour commémorer le soulèvement d'octobre 88, qu'on a organisé avec Sonhaja, avec Brigitte, avec des amis, pour essayer d'avoir une... Et ça aussi, la marque de... Non. Il était très actif dans le comité contre la torture. Et il a commencé son discours par une autocritique. Une autocritique comme un regret de ne pas avoir élargi cette question des droits de l'homme à d'autres personnes qui étaient pourchassées, torturées par le régime. C'est ce moment-là qui m'a, pour moi, ces deux thèmes-là, ces deux choses-là, en tous les cas, ont guidé le travail d'une petite association qu'on avait créée avec Mohamed, avec d'autres amis ici, qui était de travailler ces deux questions-là. Et il a été toujours présent dans ces combats-là, s'engageant dans des causes à laquelle il croyait. Voilà. Et aussi un homme d'ouverture qui se fait rare en ce moment. Merci, Toufiq. Je vois Mohamed Kassimi, non, c'est bien lui. Ah oui, oui, c'est lui. Moi, je suis comme Habib, je ne sais pas comment dire, on est sonné. C'est vrai que Sophie disait tout à l'heure, Nono était l'un des rares maghrébins, mais Nono avait plus
cette dimension et cette passion du monde arabe au-delà du Maghreb. Et il se trouve que j'ai connu Nono en 1995 à Sanaa, dans un colloque international sur la situation des femmes. Nous étions deux mecs et il y avait 40 femmes qui étaient là. Et Nono était là pour éclairer un peu, d'un point de vue juridique, la situation faite aux femmes dans ce monde délabré qu'est le monde arabe. Il y avait quelque chose, on ne s'est jamais quitté depuis, donc à Bibella, on a passé il y a 2 ans une semaine à Oran, à dire tout le mal qu'on pense de ce pays qui nous a fait tellement de mal, le nôtre, et qu'on aime malgré tout. Il y a quelque chose chez Nono qui nous rappelle cette attitude princière qu'ont certains écrivains de chez nous qui font passer la vie avant la littérature, comme Kateb, comme Aloula, comme Nabil Fares, c'est-à-dire l'art de ne pas se prendre au sérieux quand on écrit. Et il avait cet humour ravageur, cette soif de la vie qui était là et qui nous fait aimer l'Algérie malgré tous les désespoirs qu'elle nous inflige depuis 1962. Merci. Karima, Jelal Ibn Cheikh. Allez, Youssef. Juste quelques mots, parce que beaucoup de choses ont été dites. L'émotion m'a gagné. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. On a dit un certain nombre de choses sur Nono, sur ce passeur, cette lumière. Et c'est vrai que les discours étaient extrêmement, ou les interventions étaient extrêmement touchantes. Moi, je voulais juste simplement dire que pour notre génération, pour certains d'entre comme moi, Nono, c'était un des grands frères. C'était un des grands frères. Et je parle évidemment de Lunéa. Il y a d'autres grands frères qui sont là. Ils sont présents. Donc, Nono, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. J'étais très jeune et lui, même, il était jeune, mais on voyait la solidité de sa formation. Et c'est vrai, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit tout à l'heure, ça a été lu, c'est qu'il n'avait pas de sectarisme. Et pourtant, on nous traite de dogmatiques, nous, les militants Pax, Unéa, etc. Eh bien, lui, je sais, quand on était en réunion, j'ai quand même été avec lui, on a fait 2 CS, 2 comités de section de l'UNEA. J'ai un grand frère qui est là, qui doit s'en rappeler. C'était quelqu'un qui agissait comme grand frère. Jamais un mot qui peut déranger. Au contraire, tout ce qu'il avait comme capacité, c'était de nous. Voilà. Et ce grand frère, je vais vous dire 2-3 images que je revois. Ce grand frère, je l'ai revu dans un moment très particulier. Très particulier, parce que vous savez, à l'époque, chacun dans son lieu de travail, hein, nous, on n'était pas des gens exubérants. On était, quand il fallait avoir, quand on avait une tâche de militant de masse, on la faisait, pas de problème, on allait au devant des étudiants. Mais nous étions des gens extrêmement disciplinés. Très discipliné. Et Nono aussi, quoique dilettante dans sa façon de faire, dans sa façon. Moi, c'est ce que je garde comme souvenir. Alors, 2 images. En 71, vous vous souvenez que l'UNIA était interdite. Nous, on était le dernier comité de section en vigueur. Derrière nous, il y avait la relève. J'en dis pas plus. Mais Nono était au service national. Il était déjà parti faire son service national. Et nous voilà de retour, parce qu'il y a des choses qui ont été dites dernièrement, qui ne sont pas très exactes.
il n'a pas été arrêté avec nous et puis envoyé au service, non. Nous, on était les derniers des éléments du CS dans la nature. Il y a eu des anticipations. On nous a forcés à sortir de la clando. On a rejoint le... Après, on a été... Bon, vous savez qu'on a fait toutes les prisons d'Algérie. On peut tous raconter sa prison. On les connaît en détail. Moi, j'ai écrit des choses en les transmutant un petit peu, les changeant. Et voilà qu'on revient de Mostaghane, Mascara, Bel Abbas, Berouaghia, pour ce qui me concerne, avec d'autres camarades. Et on voit, nous étions une vingtaine, les derniers sur 360 étudiants, Agda, le chiffre, 360 étudiants réprimés, torturés, voilà. Donc on voit arriver le 21e, c'était Nounou, qui était chef de bataillon à Béchar. Nounou habillé avec une sorte de treillis, mais c'est pas un treillis, c'était un vêtement de tôle. Vous savez, en tôle, on donne de vieux vêtements, de vieux uniformes britanniques, ou je sais pas quoi, aux coloniaux, j'en sais rien. Attaché avec une corde. Voilà, Nounou est rentré comme ça avec sa corde, et nous étions, nous, là, au fond. Et il avait été pris, il avait été récupéré de Béchar en tant que chef de bataillon. Bon, on a passé notre CSO, comme on dit, quelques temps ensemble, puis Nounou a été réaffecté pour diriger le bataillon. Nous, on était à chercher de se faire, à faire un travail. Deuxième image, parce que, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, on ne se voyait pas tous les jours, nous. Quand on était plus à l'université, on se voyait, voilà. Une autre image. En 78, nous étions tous au boulot, on travaillait, on était père de famille, souvent. Et en 78, on a eu Nounou avec nous dans les 100 qui ont été mobilisés pour la préparation là, recyclage à Blida, à l'effort. Alors, je ne vais pas m'étaler, mais ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Nounou, qui est un peu plus âgé que nous, 4-5 ans, arrive parmi les 100. Au 100 pour cette promotion, c'était du recyclage pour chef de compagnie. Nous, on était pas soumis. On a fait notre service, pas de problème, comme on a fait Cherchel. On bossait, on travaillait, on faisait l'art de la guerre. Mais le stratège, c'est Nounou. Il arrive à Blida avec une pochette de feutre en couleur, le crayon et la gomme. Et quand on faisait les jeux de stratégie sur du papier, lui, il faisait son plan d'attaque ou de défensive, parce que c'était surtout de la défense, en couleur, monsieur, en fignolant, voilà. Un artiste. Finalement, au bout de mois, major de promotion, Schkoun, Nounou. Schkoun, le meilleur stratège, Nounou. Pourtant, il avait les pieds plats, je peux le dire, hein. Je peux le dire. Voilà, je peux le dire, c'est sympa. Voilà, absolument, il dandoline, il chaloupe, etc. Voilà, ce grand frère, on l'a revu ensemble très longtemps, parce qu'à partir des années 80, hein, des amis qui sont là, on faisait des balades dans la campagne. Et voilà. Donc, on se voit de temps en temps. Et puis après, évidemment, ceux qui connaissent mieux ça à l'époque, ceux qui ont parlé de lui, moi, j'ai parlé de mon grand frère. Voilà. Je peux vous dire une chose. Je connais Nounou qu'en tant que militant du NER. Peut-être qu'il était au PAC, j'en sais rien. Il paraît qu'il était. Voilà. Mais, qu'à cela ne tienne, je voulais profiter. Non, c'était un militant du PAC, il n'y a aucun doute. Bon, je voulais profiter, puisque vous m'avez invité à dire quelques mots. Moi, je dis avec... parce que si je m'en vais sérieux, je pleure. Je veux rigoler un petit peu. Les amis d'Oran m'ont écrit, les amis d'Alger m'ont écrit, et me demandent de transmettre leurs salutations. Certains m'ont fait des petits mots, j'ai sur moi. Un camarade de Montpellier m'a fait un texte, parce qu'il était absent, j'ai pas la force de lire. En tout cas, c'est la dernière fois que j'ai vu Nounou, on était assis à l'hôtel durant le Silla, les 3 jours du Silla, on était assis à l'hôtel, il avait rendez-vous pour aller manger avec d'autres grands frères. Vous savez, c'est pour déconner, grands frères, hein, pas plus. Hein. Tout faire, c'est très bien, l'amitié qu'on a, le respect entre nous. Donc il devait manger avec un de ses... Et il s'attardait au salon. Il n'arrivait pas à bouger, moi, il m'avait dit, comme ça, entre deux,
m'avait dit qu'il n'était pas bien, etc., qu'il rentrait lundi. Voilà. Et il m'avait un peu affranchi. Et je me retourne et je dis, mais Nono, qu'est-ce que tu fais là? Il est 8h15. Mais pourquoi? Et je dis, mais tu as attendu, on mange, t'attends. Vous devez manger ensemble. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et il se lève et il s'en va, comme d'habitude. Vous connaissez sa façon de marcher. C'est la dernière image. Je suis arrivé à l'hôpital il y a 10 jours pour le voir. Je n'ai pas eu la force de rentrer, j'ai téléphoné, il m'a excusé. Pardon. Merci Youssef. Là, t'es pas mal d'amis. Et puis peut-être qu'offert, non? Juste après la TFA, tout faire garouge. Oui, bonsoir. Moi, c'est juste pour parler de l'étudiante que j'ai été, puisque Nordin Saadi a été mon assistant à la fac de droit à Ben Raknoun à Alger dans les années 70. Et j'aimerais parler aussi au nom des autres camarades étudiants qui étaient avec moi à l'époque et qui ont envoyé beaucoup de messages sur la page Facebook. C'est vrai que pour nous, comme enseignants, Nordin était vraiment, quelqu'un l'a dit ici, une étoile. C'était un repère, une référence, c'était une lumière. On a de la chance de l'avoir eu comme enseignant. Il nous a ouvert à une approche critique du droit, ce qui n'était pas évident à l'époque. Et puis après, il y a eu, bien sûr, on a continué la route, il y a eu les événements dont beaucoup ont parlé ici. Ces événements, cette parenthèse bouillonnante, le Comité national contre la torture, le RAIS, le Rassemblement algérien des intellectuels, artistes et scientifiques, le mouvement des journalistes algériens, les associations féminines. Et c'est vrai, Nordin, c'est vrai, tu as bien fait de le dire tout à l'heure. Je suis émue. Il était un des premiers Algériens que j'ai connu féministe, véritablement féministe. Et il n'était pas que Algérien, Maghrébin, féministe. Nordin était citoyen du monde. Je crois que ça, c'est important aussi. Et je pense que ça devait être important pour lui, cette dimension de citoyen du monde. C'était un homme sans frontières. Il n'était pas sectaire, ça, c'était clair. Quelqu'un de très ouvert, à l'écoute. Et en même temps, il avait une rigueur intellectuelle incroyable, en tant notamment que juriste. Et ça, c'est vraiment aussi une boussole pour nous qui avons été ses étudiants. Mais nous n'avons pas été, en tout cas moi, je n'ai pas été qu'une étudiante, puisqu'on a continué la route ensemble. Donc dans les années 90, on s'est retrouvés dans l'exil. Et puis voilà, donc je voulais apporter ce témoignage. Et c'est sûr, c'est une énorme perte. Voilà, c'est tout. Merci. Professeur Gerouj, puis Djilal Ibn Cheikh, peut-être que... Oui. Moi, j'ai connu Nounou en début 64. À l'époque, on avait créé l'Union Nationale des Lycéens et Collégiens Algériens. Et lui, il faisait partie de la section de Constantine de cette organisation, qui a duré à peu près une année et demie. En 65, elle a été dissoute. Et comme l'essentiel des cadres était en terminale ou en première, il n'y avait pas la possibilité d'assurer la continuité comme c'était le cas à l'UNEA, où les gens pouvaient rester plus longtemps. Donc dès cette période, naturellement, Nounou se faisait remarquer, notamment ses aptitudes littéraires, sa façon de parler. Et depuis cette date, on ne s'est pas perdu de vue, on se voyait épisodiquement et plus ou moins régulièrement. Sans avoir des relations intenses, ce que je regrette. Et moi, j'étais très surpris aussi par sa mort et la rapidité de la chose, qui nous a laissé profondément touchés. C'est une partie de nous qui part avec lui, comme il y a une partie de nous qui est partie avec ceux qui sont déjà morts, malheureusement, ces dernières années. Merci. Hamid, viens. Non mais je préparais l'après Ben Cheikh, tu vois. Nono a cette faculté de nous disperser nos sentiments et nos mots, on ne sait pas par quoi commencer. Alors moi je vais vous raconter une autre histoire.
En 1973, un certain Mohamed Boudia était assassiné par les Israéliens. Deux, trois jours après, il y a eu une sorte de dommage comme ça, fait devant l'université de Jussieu où il avait été abattu. Et puis un de ses amis, qui s'appelait Ahmed Dasgar, avait dit ceci: je vous en supplie, n'en faites pas un héros. Je vous dis à peu près la même chose. Nono est plus que ça. Et c'est vrai que toutes les facettes que vous avez montrées, avec parfois des analyses brillantes, composent tout à fait ce personnage-là. Moi, j'ai envie de vous donner juste des souvenirs, subalternes. La première fois, vu mon âge, je crois bien être l'un des premiers à l'avoir connu. Mais alors, puisque à ce moment-là, on me parle du lycée de Constantine, je m'incline. Mais moi, il me semble bien que Nono Saadi, lycéen au lycée Bugeaud Abdelkader, en 62-63, nous étions en terminale, les grands frères, et lui, il était en première, je crois. Et il fréquentait une petite bande de petits bourgeois constantinois qui n'arrêtaient pas de ricaner sur les nationalisations, sur Ben Bella et compagnie, etc. Bon. Et deux, trois années après, notamment après le redressement révolutionnaire, je suis président du comité de fac de droit, sciences économiques, tout faire connaître toute cette histoire, et je vois arriver, amené par Monsef Ben Nounich, Nono, qui n'était pas membre de notre comité, mais qui venait pour nous conforter idéologiquement, etc. Et effectivement, j'entends un jeune étudiant me faire des analyses absolument redoutables sur le pourquoi, le comment, etc. Et je me suis dit, celui-là, c'est un sacré dialecticien. Bon, maintenant, des souvenirs récents, bien sûr, ceci-là, je l'ai croisé aussi là, tout simplement parce que j'ai pris son livre et il me l'a dédicacé de cette phrase. Bon, elle ne doit pas être unique. Pour Djilal Ibn Chir, la littérature en partage. Là, il m'a tout donné avec cette phrase. Bon, même s'il l'a donné à d'autres aussi. Et puis, je pars encore sur quelques années plus tôt. J'ai avec Nono en partage l'hôpital Diakonès, que j'ai visité avant lui, pour à peu près les mêmes raisons. J'ai eu plus de chance que lui. Nous avons eu même le même chirurgien. Nous en avons rigolé. Et je m'étais dit, il va s'en sortir. Je le connais. C'est un aristo populaire. Il résiste. Il résiste, il résistera. Bon, ça n'a pas été le cas. Et lorsque nous avons échangé sur nos états de santé, il m'avait dit ceci, j'arrête là. Il m'avait dit, on est comme les vieilles guimbardes. Il y a un moment donné où il faut changer les pièces de rechange. Est-ce qu'il y a encore... on peut encore prendre un ou deux témoignages? Pour rigoler un tout petit peu, pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, je voudrais raconter, j'ai fait le service militaire avec Nono, on était ensemble. Et un jour, il y avait un cours de sécurité militaire. Et l'officier instructeur interroge Nono et lui dit: quel est le travail d'un espion? Nono répond: c'est de rapporter le maximum d'informations possibles avec le maximum de discrétion possible. Et l'instructeur lui dit: je te fais faire le maximum. Le travail d'un espion, c'est d'espionner. Alors, je veux rappeler que demain à 9h, il y a la levée de corps de Nono. Et à 11h30, il y a l'inhumation au cimetière de Thiers. Voilà. Et il y a un registre de condoléances là-haut que vous pouvez signer si vous en avez envie. Et maintenant, on va prendre un... question technique. Oui. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment on peut se rendre au cimetière? Ah.
De là où on le dira tout à l'heure. Il y a monsieur Google qui sait tout. Qui sait tout. Je peux te dire. Mais je peux te dire. Voilà. Le Tessin qui va, absolument. Il faut le prendre au maître Villejuif, lui, à Aragon. C'est bon. 7, oui. Faut prendre le métro jusqu'à Villejuif, lui Aragon, ligne 7, et arriver à Villejuif, lui Aragon, il y a un tramway qui va à je sais plus où va. Voilà, c'est un des arrêts du CNI. Voilà. Je vous remercie. Thank you.
Après, il va y avoir les poivres. Mais là, il commence un petit peu à pleuvoir. Là. C'est vrai
rêve de monter de l'aide pour la vie. Oui. Je pas que vous soyez mélangé. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Thank you.